Perdu au milieu du salon, il ressemble à n'importe quel véhicule. La seule différence, tous ses utilitaires sont 100% électriques et mine de rien, ils viennent de faire une entrée fracassante sur le marché automobile. Le tout électrique répond à une préoccupation des grandes villes qui est la limitation de la pollution, la réduction de la pollution, l'amélioration de la qualité de l'air. Le tout électrique étant également un véhicule non bruyant, ça permet aussi d'améliorer ou d'aménager des heures de livraison différentes. Donc quelque part, ça joue aussi pour éviter la congestion du trafic. Voilà pour les avantages. Les inconvénients, eux, sont quand même de taille. Avec 100 km d'autonomie seulement, pour l'instant, les véhicules tout électriques ne peuvent servir qu'à des livraisons en centre-ville. Autre problème, leur prix. En moyenne, un utilitaire électrique coûte 2 à 3 fois plus cher que le même avec un moteur diesel. Le véhicule électrique reste un investissement lourd, hein. C'est un véhicule qui reste cher. Notre cible, c'est entre autres les municipalités qui peuvent être intéressées par ce type de véhicule. Il faut comparer, si on va avoir vraiment un prix comparable, quelle sera votre consommation de thermique, enfin de diesel durant les 5 années à venir, et est-ce que vous êtes capable de me dire combien allez-vous payer le gasoil dans 6 mois, dans un an ? Investir dans l'électrique, ça se prévoit donc à long terme, mais ça commence à fonctionner. Les premiers clients présentent presque tous le même profil, des entreprises de livraison qui n'ont que des petits volumes à transporter. Nous avons beaucoup de tournées sur Paris et le nombre de kilomètres effectués par nos véhicules est relativement modeste. Et puis c'est une démarche éco-citoyenne, je pense, de l'entreprise. En 2011, la plupart des grands constructeurs commercialiseront leur propre gamme d'utilitaires électriques dans les centres-villes. Il faut donc s'attendre à voir apparaître une nouvelle espèce de livreurs, les livreurs très silencieux.